Bonjour les amis, c'est le Seb pour le team Oli le Belge. Aujourd'hui, nous allons parler de la grande nouveauté Husqvarna de l'année. Je nomme la Norden 901. Donc la Norden 901 est le trail qui a fait son apparition dans la gamme Husqvarna pour cette année. Rappelez-vous, il y a une histoire de 2 ans, un concept bike nous avait été présenté à Milan, qui préfigurait déjà donc cette toute nouvelle moto. Et donc la voici, flambant neuve pour cette année 2022. Alors la filiation avec la KTM Adventure 890 est très très marquée, puisque cette moto partage avec sa cousine donc le moteur et le cadre. Une grande partie de la partie cycle est donc commune entre ces deux machines. Alors, petite revue technique pour commencer, on va énumérer un petit peu les données moteurs, les données partie cycle avant de parler de l'équipement. Donc, le bloc moteur est le twin parallèle de 889 cm3 d'origine de chez KTM. Double arbre à camantette, refroidissement par liquide et 4 soupapes par cylindre. Il développe 105 chevaux à un régime de 8000 tours par minute et un couple maximum de 100 Nm à 6500 tours par minute. Donc ces valeurs de puissance et de couple sont déjà assez sensibles, je dirais, en tout cas le couple à partir de 3500-4000 tours, où on sent vraiment que le moteur commence à se réveiller et à propulser correctement donc le pilote et l'ensemble vers l'avant. En dessous de 2000 tours, n'espérez pas avoir quelque chose de franchement agréable, parce que ça rouspète, ça cogne un petit peu, ça renacle, c'est pas agréable. Il n'y a vraiment rien en dessous de 2000, donc prévoyez toujours de la cravacher un tout petit peu, de façon à pouvoir vous faire plaisir. Alors ce moteur a déjà une très très bonne assistance électronique, dans la mesure où il y a déjà un système MSR de contrôle de frein moteur, donc pour éviter toute réaction parasite de la roue arrière à la transmission et tout le poutine, lors des rétrogradages, des grosses coupures de gaz, et voire même aussi de très fortes accélérations, donc ça évite pas mal de petits soucis, une petite béquille électronique qui est sympathique. On couple à ça un embrayage anti-dribble. On voit là ici le carter qui, pour la circonstance, est couleur un petit peu bronze, ça le différencie de la part de la cousine KTM. Embrayage anti-dribble, multidisque bain d'huile, transmission finale par chaîne, boîte de vitesse à 6 rapports bien entendu, équipé d'un quick shifter dénommé Easy Shift. Donc voilà, on le voit ici au bout de la biellette de sélection. Donc l'Easy Shift est plus doux déjà que le modèle KTM. Donc ça permet quand même d'envisager les rapports de vitesse un petit peu plus souplement. Ce qui est un petit peu aussi à l'image du bloc moteur, que j'ai trouvé un petit peu plus polissé, un petit peu moins rugueux et agressif que celui de la cousine KTM. Celui-ci permet vraiment de rouler beaucoup plus dans le confort, dans la souplesse. Donc je l'ai trouvé moins sauvage, on va dire ça comme ça. Tout ceci est enserré dans un cadre treillis en acier, et le moteur contribue également à la rigidité de l'ensemble, puisqu'il a une fonction porteuse. Ça permet d'économiser un petit peu de poids sur la balance, de faire participer le moteur à la rigidité de l'ensemble. Et pour transporter tout ça, eh bien, à l'avant, au niveau du bloc suspension, on est sur une fourche WP, modèle Apex. Elle est réglable, elle a un diamètre de 43 mm, elle est réglable donc en détente et en compression. On a les petites rondelles de réglage, les petites molettes de réglage sur le haut des tubes. Elle vous offre un débattement de 220 mm. Ce qui est 2 cm plus important que sur la cousine KTM Adventure 890 standard, et 2 cm de moins que l'Adventure R, la cousine un petit peu plus extrême. Elle offre vraiment des velléités de franchissement tout terrain, tout chemin. Ceci couplé à une garde au sol de 252 mm, ce qui, en regard de la concurrence, la place grosso modo à la même hauteur qu'une Africa Twin, qui elle est à 250 mm du sol. Donc déjà quand même quelques capacités de franchissement assez sympathiques.
La suspension arrière est confiée à un mono-amortisseur également de marque WP, réglable, lui, en précharge de ressort et en hydraulique de détente. Alors, la précharge est vraiment très très importante ici, dans la mesure où, lorsque vous emmenez un passager, eh bien, la moto demande vraiment à être réglée. Elle a tendance à fortement se tasser sur l'arrière quand on emmène quelqu'un ou quand on emmène des bagages qui peuvent être assez pesants. Donc, n'hésitez pas à donner quelques tours de molette pour pouvoir ajuster la suspension de la moto à la charge plus importante. Le débattement de cette suspension est de 215 mm. Ensuite, eh bien, nous trouverons des roues typiquement trail, en l'occurrence une 21 pouces à l'avant, une 18 à l'arrière, qui sont chaussées respectivement d'un pneu de 90 de largeur à l'avant et de 150 à l'arrière, des pneus Pirelli Scorpion STR, qui sont, je dirais, proportionnellement à usage route, je vais dire 75-80% et entre 20 et 25% usage tout chemin. Pas de trail extrême naturellement avec ces pneus, il existe d'autres choses sur le marché. De superbes roues à rayons, ce qui donne quand même un petit peu plus de souplesse lorsqu'on aborde des bosses au niveau des trains roulants. Pour arrêter tout ça, eh bien, on peut compter à l'avant sur un très très beau freinage. Nous avons des disques de 320 mm de diamètre qu'on retrouve pincés par des étriers à montage radial, étriers à 4 pistons, d'origine Jijuan et siglés Husqvarna. Et pour l'arrière, on retrouve un monodisque de 260 mm de diamètre, un étrier à double piston, étrier à montage flottant. Pour la circonstance. Tout ça aussi, au niveau de la partie cycle, on retrouve un amortisseur de direction pour éviter les réactions parasites du train avant. On le voit là, dans le carénage, là, en dessous de la colonne de direction. Voilà un petit peu donc pour la partie cycle. Alors, la grosse nouveauté aussi sur cette moto, c'est l'interface graphique qui a été revue et corrigée par rapport à ce que vous connaissez des KTM. Donc, on est vraiment sur un truc beaucoup plus agréable au regard. Bon, ben voilà, avertissement de béquille latérale, bien entendu, histoire de ne pas faire de bêtises. Alors, ce tableau de bord, lorsque on est en affichage standard, on remarquera tout d'abord deux tiers du tableau de bord qui sont destinés aux indications de contour, de vitesse et, lorsque la mention béquille latérale disparaît, eh bien les électroniques qui sont programmées. On aura le contour donc sous forme de bergraphe tout autour, en circulaire, la jauge à essence à gauche du contour et à droite la température moteur avec le petit sigle OK lorsque le moteur a atteint sa bonne température. Au-dessus de l'écran, on trouve une batterie de voyants, le rapport engagé, la pression d'huile, le check du moteur, le traction control, le témoin d'ABS. Et sur la droite, nous avons un résumé des valeurs de kilométrage et de temps de trajet. Alors, dans l'électronique, eh bien, ceci en fait est programmable, c'est-à-dire qu'on peut avoir des informations favorites. Donc, si vous ne voulez pas avoir le temps de trajet et la distance du trajet, on peut très bien remplacer l'une de ces données, par exemple, par le kilométrage total. Tout ceci fait partie des réglages. Alors, je prends un petit peu de recul. En dessous du tableau de bord, qu'est-ce que je trouve? Une molette qui permet de régler l'inclinaison du phare. Ce qui peut s'avérer pratique, donc si on emmène un passager ou des bagages. Encore un petit peu de recul et on embrasse un petit peu la vision sur le guidon. Le guidon qui lui est réglable sur 6 positions en inclinaison de façon à ce que le pilote puisse trouver son confort pour le pilotage. Au niveau du commodo de gauche, eh bien, on va trouver tout d'abord sur le sommet le régulateur de vitesse qui est une dotation standard de la moto, avec une petite différence toutefois sur l'activation, c'est-à-dire que celui-ci demande à cliquer le levier vers la gauche pour activer le dispositif et ensuite tirer le levier vers l'arrière pour fixer la vitesse. Nous avons juste en dessous le trèfle de sélection des fonctions de menu.
En dessous encore, la commande de clignot tout à fait classique, l'avertisseur sonore, et alors sous l'index, le commutateur de phare. Nous noterons également que les leviers sont réglables en écartement, tant au niveau de l'embrayage que du frein. Mais là, on est déjà à droite, on change déjà de sujet. Sur la droite, justement, un commodo simple et épuré, uniquement un coupe-circuit couplé au bouton de démarreur. Alors justement, cette nouvelle interface graphique, eh bien nous allons un petit peu la visiter ensemble. Donc pour accéder aux fonctions de menu, nous allons appuyer sur la touche 7 du commodo gauche. Et donc là, nous avons une vue sur ce que propose l'affichage. Donc indicateur de rapport engagé, le mode ABS sélectionné, le mode de gestion de cartographie moteur sélectionné et le traction control. Donc, cette moto est équipée en standard de trois modes de conduite, le street, le rain et le off-road. Dans les trois modes, on va trouver les 105 chevaux et les 100 Nm de couple. La seule différence va se situer dans la façon dont cette puissance et ce couple sont délivrés et la réponse à la poignée de gaz. Donc, c'est-à-dire, au plus, on va donc de street à rain, on va lisser le comportement de puissance du moteur, on va avoir une réponse au gaz qui va être moins directe, moins abrupte, moins violente, même si, je vous l'ai dit, le comportement de cette moto est tout à fait différent de celui de la KTM, sa cousine, en l'occurrence, avec un comportement déjà plus lissé. L'ABS est réglable uniquement sur deux options, le road et le off-road. Alors, en mode road, nous avons un ABS qui est quasi complet, donc c'est-à-dire avant-arrière avec gestion du blocage de roue en virage, hein, un ABS qui est évolutif. Et en off-road, nous avons une désactivation de l'ABS sur la roue arrière, donc ce qui permet de placer sa moto en glisse pour pouvoir prendre les virages. Par contre, on aura toujours un ABS actif sur la roue avant, moins intrusif il est vrai, mais néanmoins actif. Le traction control, quant à lui, est également réglable. Alors, en rentrant dans les menus, en appuyant sur la touche 7, eh bien, nous avons différentes options possibles. Tout d'abord, les réglages moto. On peut accéder aussi au mode de conduite en rentrant dans ces menus. Donc, nous avons street, rain, off-road. Et en option, on peut aussi avoir le mode explorer. Le mode explorer permet au pilote d'accéder à d'autres réglages qui permettent de mieux personnaliser la moto à son style de pilotage. Donc déjà, le mode de conduite Explorer, oui, c'est très bien, on revient en arrière. La réponse à la poignée de gaz, plus ou moins active. Street, rallye et off-road. Nous avons le réglage de l'adhérence, donc c'est-à-dire le traction control, hein, donc l'anti-patinage, qui lui est réglable sur 10 niveaux. 9 niveaux, pardon. Ensuite, le mode ABS, road, off-road, où on désactive, vous le voyez, le frein arrière apparaît en rouge. On désactive donc l'arrière. Le contrôle de traction et le réglage du contrôle de couple moteur, activation, désactivation du quick shifter et personnalisation de l'interface graphique où on peut avoir soit un full affichage, un affichage résumé, donc où on fait disparaître toutes ces indications de totalisateur sur le côté. Information moto qui permet d'avoir tout ce qui est donné intrinsèque à la moto, température de l'eau, charge de la batterie, autonomie restante avec l'essence restante dans le réservoir, totalisateur, avertissement de maintenance. Ah oui, à signaler aussi que cette moto a des intervalles de maintenance qui sont assez espacés, en l'occurrence 15 000 km entre deux entretiens. Ce qui fait qu'on est vraiment placé sur une moto avec de bonnes velléités, de bonnes capacités de tourisme, de par aussi ces intervalles de révision qui sont assez grands. Et alors, une option avertissement pour voir un petit peu dans le diagnostic ce qui cloche sur la machine. Ici, on voit un petit 1, rassurez-vous, c'est pas grave, c'est simplement que la béquille latérale est déployée. Les infos trajets,
où on a donc les distances parcourues, temps de trajet et vitesse moyenne, et alors les différents réglages de favoris, de sélection rapide des touches sur le Komodo, l'avertissement de changement de vitesse, donc le shift light, l'heure et date, etc. etc. Ici, je suis donc en mode explorer. On va en sortir et je vais repasser donc en mode rain pour vous montrer un petit peu les raccourcis au Komodo gauche. Donc, si ici j'appuie sur la petite flèche du Komodo gauche, je peux avoir la réinitialisation des temps de trajet. Mais également en roulant, je peux avoir la modification du mode de conduite. Donc j'appuie simplement sur le bouton, je coupe les gaz et automatiquement l'électronique de la moto, elle règle sur le mode que j'ai choisi. Donc c'est vraiment très très facile, on peut régler ça tout en roulant. Je prends un petit peu de recul pour vous parler du réservoir. Le réservoir qui a été redessiné sur la Norden par rapport à la KTM Adventure. En l'occurrence, les formes ont été revues. Il descend toujours de part et d'autre du moteur pour pouvoir avoir un centre de gravité le plus bas possible, de façon à gagner en stabilité de la moto. Il a une contenance de 19 litres et la moto nous donne une consommation de 4,4 litres au 100 km, consommation mesurée sur l'essai que nous avons réalisé. Donc on peut sereinement envisager une autonomie supérieure à 400 km avec un plein. C'est vraiment très très positif, de façon à pouvoir affronter pas mal de kilomètres et revenir sur la philosophie baroudeuse de la moto. Nous avons au niveau du confort des protège-mains pour le pilote, toujours très pratique pour le off-road, pour se mettre un petit peu à l'abri de l'eau et des branches et tout le team. Nous avons une selle qui est réglable en deux positions, celle qui est un petit peu plus large, un petit peu plus confortable, tant pour le pilote que pour le passager, toujours en comparaison avec la KTM. Et avec cette selle et le dessin du réservoir qui a été un petit peu revu et corrigé, la position de conduite, eh bien, on a l'impression d'être assis un peu plus dans la moto que perché sur la moto par rapport toujours à la cousine KTM. Donc c'est un petit détail de confort. Au niveau d'autres options, nous trouverons sur cette moto le kit de fixation valise Touratech, les différentes protections au niveau du réservoir. Nous avons un sabot moteur et une toute petite grille protection de collecteur d'échappement. On trouve aussi sur cette moto la protection en plexiglas pour le phare. Alors on aime ou on n'aime pas, oui c'est pratique pour tout ce qui est application off-road, mais honnêtement un peu la plaie à nettoyer quand même. On le voit ici, on a été pris dans une averse lors de notre essai. Et il y a de l'eau qui est rentrée entre le phare et la protection. Elle demande à être démontée pour qu'on puisse tout nettoyer là à l'intérieur. Mais bon, voilà, c'est un petit peu la rançon de la préservation du phare. On notera également une paire d'anti-brouillard que on s'est activé avec le bouton au tableau de bord, là derrière le tablier. Voilà, donc ça lui donne une petite identité lumineuse assez sympathique. Éclairage full LED, bien entendu, avec éclairage diurne également. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore en option? Vous pourrez trouver également la béquille centrale. Perso, j'en suis vraiment fan parce que ça permet vraiment de pouvoir faire quelques opérations de maintenance de base assez facilement sans avoir besoin d'une débauche de matériel d'atelier. On peut également trouver dans le catalogue d'options selle et poignée chauffante, le module connectivité qui permet de raccorder son téléphone par Bluetooth à la moto et donc avoir la navigation, la possibilité de gérer ses appels, sa musique et tout le toutim. En standard, on a la fixation GPS qui est déjà installée derrière la bulle. On a également la possibilité d'obtenir diverses bagageries, sacoche de réservoir, sacoche latérale, top case, divers échappements en option. Différents leviers également sont disponibles en option, les différentes protections. Le système électronique de gestion de pression de pneus, d'affichage de pression des pneus peut également être monté par après. Et il existe pour les pilotes qui sont un petit peu plus petits en taille un kit de surbaissement de suspension.
de façon à ce qu'il puisse être à l'aise sur la moto. Il est à noter que la selle culmine à 854 mm du sol, donc on est sur une hauteur assez conséquente. Vous savez que je ne suis pas très très grand, ça m'oblige quand même à jouer des pointes au feu quand je dois m'arrêter. Mais bon, heureusement, on n'est pas encore sur une moto vraiment typée off-road qui culminerait à 89 cm par exemple. Ici à 85,4, on est sur quelque chose de moyen dans la catégorie. Tout ceci pour un poids de 204 kg à sec, donc on est encore sur des valeurs tout à fait acceptables compte tenu, comme vous le voyez, de la taille de la moto. Ça n'en fait pas un mastodonte, elle gagne en maniabilité grâce à ça et différentes astuces pour rabaisser le centre de gravité. Donc de ce côté, rien à signaler. Alors, que pourrais-je vous dire encore plus dessus? Ben oui, les concurrentes, eh bien, elles s'affichent comme étant la BMW F850 GS et la Honda Africa Twin. Hein, donc, on est sur des motos qui sont typées trail. On est vraiment dans une catégorie de trail premium de par les finitions assez léchées et les équipements qui sont possibles. Et le prix aussi, puisqu'on parle d'un budget de 14 749 euros en prix de départ, hors option. Donc oui, on est vraiment sur une catégorie haut de gamme. C'est le prix de l'exclusivité. Et c'est vrai que quand on voit cette moto, on est vraiment sur quelque chose qui se démarque de la production concurrente et même de la production interne au groupe. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette présentation complète vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une appréciation, de nous laisser des suggestions. Et pour ma part, je vous retrouve prochainement pour d'autres essais. À bientôt, au revoir les amis.